Good morgen, allez Yiden, le tutor aujourd'hui le Lunishmat, Mouvi Rabbi Shmuel, Ben Shomo Zalman, et Avraham Norbert Ben Fortuné Fritna, ainsi que Lirfuat, Chaya Rivka Bat Léa, Shimon Rafael Ben Rina Efrat, Sarah Bat Nechama, et Hanalea Bat Gitel Devora Betor Shachol Israël, si vous souhaitez vous aussi désirer une prochaine étude de Mishnah contacté les 5 minutes éternelles. Nous étions en Sechet Pesachim, Perkei, Mishnah Delet. Ashochet et Apesach, Ala Chametz, Over Belota Ase. Rabbi Yehuda Omer, Afatamid. Rabbi Shimon Omer, Apesach Be'arba Asar Lishmo Chayav, Veshalo Lishmo Patur. Moshar Kol Azvachim, Ben Lishman, Ben Shalo Lishman Patur. Uba Moed, Lishmo Patur, Veshalo Lishmo Chayav. Moshar Kol Azvachim, Ben Lishman, Ben Shalo Lishman Chayav. Chutz Min Achatat, Sheshachat, Shelo Lishma. On parle dans notre Mishnah d'un interdit spécifique de la Torah, de l'otishrat al chametz dam zivri. Lorsque la Torah, elle nous prescrit de faire le korban pesach, alors elle impose aussi que l'otishrat al chametz dam zivri, tu ne feras pas la shrita sur du chametz, du sang de mon korban, de mon offrande. Il y a deux psukim en fait. L'otishrat al chametz dam zivri ou l'otizbach al chametz dam zivri. On expliquera vers la fin de la Mishnah, on en reparlera. Le fait qu'il y ait deux psukim. Pour le moment, de manière générale, la Torah m'a dit, tu sais, quand c'est le moment du korban pesach, interdit que tu fasses le korban pesach et que tu as du chametz chez toi. De toute façon, depuis le début de l'après-midi, tu n'avais plus le droit d'avoir du chametz. Mais la Torah elle est venue m'ajouter en un autre interdit supplémentaire, que si tu oses faire, pour celui qui oserait faire la shrita du korban pesach, alors qu'il a du chametz chez lui, à la maison. Ce serait d'autant plus grave. Lui, ou même quelqu'un du groupe, puisque, comme on avait expliqué dans la Mishnah précédente déjà, que pour un korban pessah, il fallait nommer plusieurs personnes qui voulaient s'associer pour manger. S'il y a moi qui vais venir faire la shrita de mon korban pour toute ma famille, ou bien mon voisin aussi qui va manger avec nous ce soir dans le même korban, on s'associe dedans. S'il y en a un de nous qui possède du chametz au moment où je fais la shrita, je transgresse un interdit. D'accord? Du coup, le principe de la Mishnah, il est très simple, il va être de définir pour quel korban précisément on va transgresser cet interdit. D'accord? Premier avis de la Mishnah, c'est le plus simple, « Ashochet et a Pessah à la Chametz », celui qui fait la Shrita du Pessah à la Chametz, littéralement sur du Chametz, mais ça veut dire qu'il a à proximité du Chametz, c'est-à-dire qu'il a en possession du Chametz. Alors, au vert, même si... Over, Belotasi transgresse un interdit négatif, c'est-à-dire une mitzvah négative, un interdit explicite de la Torah. Rabbi Yehuda Omer, Afatamid. Rabbi Yehuda vient et elle n'ajoute pas que le Chametz, même le Korban Tamid. Durant l'après-midi du Korban Pessah, on a deux Korbanot à faire. Et le Korban Tamid, ouais, le Korban Tamid, c'est le holocauste perpétuel, eh bien, sache qu'elle a aussi le même principe que si dans l'holocauste perpétuel du 14, possède chez toi, le Kohen qui fait la Shrita possède chez lui du Chametz, et bien il transgressera cet interdit spécifiquement. Ça c'est déduit du Pasouk que la Torah, au lieu de dire l'otishrat al Chametz et azevach, elle a dit Dam Zivri, mon Zevach, spécifique à moi. On entend là qu'on parle d'un Korban qui est spécialement appelé le Korban d'Hachem. C'est lequel? C'est celui que la Torah a dit spécialement. Tzavet ben Israël va martalem et Korban yilachmi. Le korban, l'offrande qui est mon pain, le korban tamid spécialement, c'est le korban qui est très. Que la Torah explicite, qui est le plus proche d'Hachem. Plus, c'est sa ration quotidienne qui vient rôle de Avoda. D'accord? Donc maintenant, Rabbi Yehuda, il a rajouté un nouveau korban qui est la Ola. Sur ça, on va voir maintenant Rabbi Shimon qui va venir avec un nouvel avis assez complexe. Je vais le faire d'abord. Je vais vous expliquer le principe, ça repose sur en fait peut-être deux principes. C'est pas compliqué à comprendre. Après, on refera dans les mots. Tout d'abord, un principe que Rabbi Shimon tient, Shrita Shaina Ruya Lo Shma Shrita. Une Shrita qui ne sert pas à permettre un korban n'est pas une bonne Shrita. Soit, c'est un sujet assez vaste, ça touche à plein de domaines de halakha, mais pour le moment, je me concentre sur l'interdit du korban pesach. Attends, t'as dit, tu fais pas la shrita du korban pessah avec du chametz.
Supposons maintenant que je fais la shrita du korban Pessah, mais de manière que le korban Pessah ne va pas pouvoir être mangé parce qu'elle a été invalidée. Pour X ou Y raison. Donc je ne pourrai pas le manger. C'est plus un bon korban. Ma shrita ne va pas permettre à la consommation. Et bien dans ce cas-là, d'après Rabbi Shimon, je ne transgresse pas l'interdit du korban Pessah. Je ne transgresse pas l'interdit de faire la shrita du korban Pessah alors que j'ai du chametz chez moi à la maison. Parce que j'ai fait une shrita vide, bidon, qui ne sert à rien. D'accord? Ça, c'est pour le korban Pessah. C'est la première donnée si la shrita n'est pas bonne. Donc déjà, je peux vous apprendre une chose. C'est qu'on avait appris dans le Mishnah Gimel que si on fait la shrita du korban Pessah chez lo lishmo, pas en guise de Pessah, mais en guise d'autre chose, et bien que le korban il a été invalidé. De ce fait, déjà, vous pouvez fixer que si on fait la shrita du korban Pessah, alors que je possède du chametz, je fais la shrita du korban Pessah, je possède du chametz, mais je le fais avec l'intention de m'acquitter de mon devoir d'apporter un shlamim, pas le korban Pessah. Eh bien, je n'ai pas transgressé l'interdit, je ne serai pas frappé, puisque ma shrita n'a pas été une shrita qui va permettre le korban Pessah. Donc, c'est une shrita qui est invalidée, qui sert presque à rien. Elle a peut-être quelques petites conséquences, malgré tout, qui vont valider certains détails de cette shrita, mais en tout cas, ce n'est pas la belle shrita qui permet le korban Pessah. De ce fait, ce n'est pas la shrita sur laquelle je vais être passible de malkout si je l'ai transgressé. Ça, c'est ce qu'il va y avoir écrit, que le Pessah, shelo lishmo patou. D'accord. Maintenant, autre notion. Rabbi Shimon déduit, il a de la manière d'étudier justement, parce qu'il a deux psukim, l'otishrat al-chametz dam zivri, l'otishrat al-chametz dam zivri, et l'otisbach al-chametz dam zivri. La Torah a fait une insistance, on expliquera peut-être après un petit peu d'où, comment il le déduit. Mais Rabbi Shimon déduit, tu sais, qu'il y a en réalité deux périodes sur cet interdit. Une période dans l'après-midi du 14 et une période pour tout Pessah. Et ça se dépolarise, ça devient tout à l'envers. Je m'explique. Pendant Pessah, alors n'importe quel korban que tu vas faire la shrita, alors que tu possèdes chez toi du chametz pendant Pessah, et tu apportes un korban, n'importe quel korban, à partir du moment où ce korban va être validé, il va être kasher à la consommation, et bien tu transgresseras de nouveau l'interdit. D'accord? Tandis que durant l'après-midi du 14, et bien le seul korban pour lequel tu peux être rayav par le fait que tu possèdes du chametz, ce ne sera que le korban Pessah. C'est-à-dire, on va prendre un cas, on va prendre deux cas. J'apporte une ola ou aussi un korban khatat. J'ai besoin de prendre deux exemples, je vous expliquerai pourquoi après. On va comparer donc un Pessah, un korban Pessah, une ola et un khatat. Durant l'après-midi du 14, une fois qu'on a fini le korban tamid, moi je vais faire maintenant trois korbanot. En réalité, attention qu'on soit clair. J'ai pas le droit de faire le khatat et la ola, mais il y a quelques petites exceptions à la règle. Je vous toucherai un petit mot après, qui peuvent faire que ce sera permis de le faire. D'accord? Il y a quelques petites exceptions. Allez, je vous le dis tout de suite, c'est très simple. Si c'est des korbanot, que grâce à eux, je vais finir une certaine pureté qui va faire que le soir, je vais pouvoir manger le korban Pessah. Alors, bien que normalement, on n'apporte pas de korban après le termin Jalmen Arbaim, je pourrais, par exemple, malgré tout, apporter ces korbanot, car ils vont me permettre de manger le soir le korban Pessah. Ce sont des règles que assez d'Ochre, l'Ota assez, ou assez de Hashlama, c'est l'interdit de porter un korban, un quelconque korban après korban, tamid, chez le Ben Arbaim, c'est juste une mitzvah assez, et quand il y a une assez qui est plus, un mitzvah assez qui est plus importante, comme par exemple l'assez de korban Pessah, qui a Yesh Bokaret, alors on repoussera le. On permettra d'apporter des korbanot après le korban tamid, en l'occurrence la veille de Pessah. D'accord, je reviens sur le vif du sujet. Donc maintenant, pour finir ma purification, je dois porter aussi un khatat et une ola. Pour le khatat, lorsque je vais faire la shrita du khatat, si je possède du khametz à la maison, durant l'après-midi du 14, je ne transgresse pas l'interdit. Je transgresse l'interdit spécifiquement sur le korban Pessah. Ni sur le khatat, ni sur l'ola, même si je les ai fait lishman. Ok? Pendant Pessah, alors attention. Si je possède du khametz à la maison, et je vais faire le korban, et je vais faire un khatat, alors que j'ai du khametz à la maison, je transgresse un interdit de l'otisbach al khametz dam ziv zvachay. La Torah a dit dam zivri, on va l'expliquer pourquoi, mais on déduit dam zvachay tous mes korbanot. Donc du coup, dans la deuxième période, pas la celle du 14, de l'après-midi du 14, mais durant Pessah en fait, pendant Chol HaMoed Pessah, si je vais partir apporter un korban khatat alors que je possède du khametz, je transgresse l'interdit. Idem si j'apporte un korban, hola. Par contre, si je vais prendre un korban Pessah après l'heure, qui n'est plus l'heure, alors
si je vais le faire en guise de Corban Pessah, eh bien, alors, de tourner une seconde, Lishmo Patour, chez le Lishmo Khayav. Si je le fais en guise de Corban Pessah, je suis dispensé parce que j'ai invalidé le Corban en fait. Ça me touche, ça impose de rentrer dans un autre problème assez délicat. Il faut l'expliquer. Le Corban Pessah, durant l'après-midi du 14, il a un statut de Corban Pessah. Passé la date du 14, si je ne l'ai pas fait parce que j'ai pris un autre animal et il me reste maintenant cet animal supplémentaire, ce Corban, il perd son statut de Pessah. Il devient un Shlamim, pareil. Il devient un Shlamim. Pour pouvoir finir de le faire Shlamim, il faut qu'au moment où je l'égorge, je l'égorge en guise de Shlamim. Mais si je l'égorge en guise de Corban Pessah, il va être un Corban invalidé. Alors qu'en temps normal, un Corban Shlamim, si je le fais en guise de Pessah, je n'invalide pas le Shlamim. Ce Shlamim-là, ce Corban Pessah, qui était initialement un Pessah, qui est devenu un Shlamim parce qu'il est resté. Lorsque je vais l'égorger en guise de Pessah, je vais invalider le Corban. De ce fait, si pendant Pessah, je vais faire le Corban Pessah en guise de Pessah, et alors que je possède du Hametz, je ne transgresserai pas l'interdit de le Tishrat al-Hametz d'Amzifri. Pour quelle raison? Parce que le Corban Pessah va être impropre à la consommation. Et on a déjà dit que si je fais une Shrita d'un Corban sans le rendre permis à la consommation, eh bien le Corban, il est invalidé, donc je ne transgresse plus l'interdit de le Tishrat al-Hametz d'Amzifri. Donc maintenant, je refais un petit peu d'ordre, on n'a toujours pas fini d'expliquer, après je devrais lire tout ça dans les mots. L'après-midi du 14, on a dit un seul Corban concerné par l'interdit de l'Otishrat al-Khamez d'Amzifri, qui est le Corban Pessah, mais pas une Ola ou un Khatat ou un Sham, n'importe quel autre Corban. Même si le Corban, il est en théorie bon à la consommation. Pendant Pessah, alors tout Corban, je transgresse un interdit, mais à condition qu'il soit consommable. Donc, si je vais faire le Corban Pessah en guise de Pessah pendant Pessah, donc après l'heure c'est plus l'heure, mais j'ai invalidé le Corban, alors là je ne vais plus transgresser l'interdit de l'Otishrat al-Khamez d'Amzifri, puisque j'ai fait une Shrita vide, qui ne sert à rien, qui ne va pas permettre la consommation. Alors que le Khatat et le Ola que je vais faire, ils vont être Keshel. Premièrement. Là on a déjà fait 80% de la Mishnah. D'accord? Il reste de la fin de la Mishnah. Il reste encore un détail encore important à rajouter, c'est l'histoire du Shelo Lishmo. Soit, c'est le début de la première Mishnah de Masechet Zevachim, qui nous enseigne que lorsque je vais faire un Korban, Hacham, Ola, Shelo Lishmo, je vais le faire en guise d'autre chose, la Ola en guise de Hacham, le Hacham en guise de Ola, je les ai inversés. Le Korban, il est malgré tout permis à la consommation. Le propriétaire ne s'est pas quitté de son devoir. C'est la première phrase de la Masechet Zevachim. Tout Corban que tu as fait chez l'Olishmo, pas en guise de ce qu'il était être, alors tu l'as un peu abîmé, tu l'as faussé, mais il est quand même cachère, il est apte à la consommation. Mais le propriétaire ne s'est pas quitté de son devoir. Il devra porter un autre Corban. Il s'avère maintenant que pendant Pessah, si tu vas prendre une Ola et tu vas la faire en guise de Hacham, ce corban-là, il est apte, pas à la consommation, parce qu'une ola, on ne la mange pas, mais tu pourras la faire monter sur le misbéach. Donc tu as fait une bonne shrita. Parce que tu as fait une bonne shrita, si tu possèdes du ramet, tu transgresses un interdit. Tu as pris un khatat, alors maintenant, tu as pris un sham, tu l'as fait en guise de ola. La shrita, elle est quand même validée, a posteriori. Le propriétaire ne s'est pas quitté de son devoir, mais la shrita, c'est une bonne shrita. Tu as transgressé l'interdit de l'otishrat al-khamez dam zivri zivachai pendant Pessah. Ok, une exception à la règle, c'est le korban khatat. Si le khatat, tu le fais chez l'olishmo, le korban, il est invalidé. Donc, pendant Pessah, si tu vas faire un korban khatat en guise de hacham, de hola ou de ce que tu veux, le korban est invalidé. Si tu possèdes du khamat chez toi, tu transgresses plus l'interdit. Tout ça, Rabbi Shimon, il est déduit parce qu'il y a deux psukim. L'otishrat al-chametz dam zivri, l'otisbach al-chametz dam zvachai. Il y a le fait que la Torah, elle aurait dû tout condenser. Si je te dis zivri, zivri, donc si j'insiste pas que mon corban, plein d'autres corbanes encore. Donc du coup, on va expliquer ça, on va prendre le yud de l'un, on va le mettre dans l'autre. Ça va faire l'otishrat al-chametz dam zvachai. Mais la Torah a donné deux interdits pour te dire qu'il y a deux périodes. Une avec un statut qui concerne que le corban Pessah, et l'autre avec un autre statut qui concerne tous les autres corbanotes. Et même le Corban Pessah, si tu le fais en tant que Shlamim, mais si tu le fais en tant que Corban Pessah, puisqu'il va être impropre à la consommation, il va rester interdit. Tu ne vas plus transgresser l'interdit, puisque tu as fait une Shrita vide. Ça ne sert à rien.
D'accord? On fait tout ça dans les mots, regardez, c'est pas compliqué, d'accord? Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, à Pessah, Be'arba'a Asar, le korban Pessah que tu vas faire durant l'après-midi du 14, alors que tu possèdes du Hametz chez toi, Lishmo Chayav, si tu l'as fait en guise de Pessah, alors tu seras Chayav, tu transgresseras l'interdit, parce que tu as une super Shrita comme il faut, avec du Hametz chez toi à la maison, donc tu transgresses l'interdit pleinement. Par contre, Shelo Lishmo, si tu l'as fait le Shelo Lishmo en guise d'un autre korban, en guise de Shlamim, alors que tu as invalidé le korban, pas tour, tu seras dispensé. Comme il nous dit le Bar Tenura, il l'a dit, Veshrita Shena Reouyai, Velav Shma Shrita. Une Shrita qui n'est apte à rien, qui ne sert pas à valider un korban, n'est pas une bonne Shrita, donc tu n'as pas transgressé l'interdit de l'Otishrat al-Khamed d'Anzifri. D'accord? Et Ushakol Azvachim, par contre, on est toujours dans l'après-midi du 14 Nissan. Les autres korbanot, Ben Lishman, Ben Shol Lishman, Patour, que tu leur refais la Shrita en guise de ce qu'ils sont ou en guise d'autre chose. Donc, qu'il soit validé ou pas exactement validé, quoi qu'il arrive, il sera toujours dispensé. Parce que pour le moment, durant l'après-midi du 14, l'interdit ne s'applique que sur le Korban Pessah. Ou bah Moed, par contre, pendant la fête, alors attention, ça se dépolarise. Lishmo, Patour, si le Korban Pessah, tu l'as fait en guise de Pessah, donc ton Korban, il a été invalidé. Et... donc, comme il dit le Bartenura, Velashrita Shenarouya, Patour, tu seras dispensé de l'interdit de l'Otishrat al-Khamez d'Amzifri. Pourquoi? Puisque tu as fait une shrita qui ne sert à rien. Par contre, Veshelo Lishmo, et si tu l'as fait en guise d'autre chose, en guise de shlamim par exemple, alors ton korban pessar qu'il a été validé, puisqu'il a été validé, si tu avais du chamas chez toi, tu as transgressé l'interdit. Et Ushar Kolazachim, et tous les autres korbanot, Ben Lishman, Ben Shelo Lishman Chayav, que tu les as fait en guise de ce qu'ils sont ou pas, puisque la shrita, elle sert quand même à permettre la viande à la faire monter sur le misbéach ou à la consommer par le propriétaire, même si on ne s'acquitte pas de la mitzvah du korban, alors en ce cas-là, malgré tout, tu chayav, il sera quand même chayav, puisqu'il avait du chametz chez lui, il a transgressé l'interdit de l'otishrat al-chametz d'amzifri. Par contre, chutz min ha-chatat, shechachat shel lishma, a une seule exception, c'est celui du chatat, pendant Pessah, par exemple, que tu as égorgé en guise d'autre chose, que le korban spécialement, et le korban chatat spécialement, il est invalidé si tu ne le fais pas en guise de chatat. Comme on a dit, la Mishnah de Zvachim, « Kol Zvachim shenis berhu shel lishman kshérim, et la shelo, la be'alim l'eshem chova, chutz mina pesach ou mina chatat. A pesach bismano, v'chatat shol bismano, c'est la première Mishnah. D'accord? Donc, du coup, le chatat, si tu l'as fait shel lishmo, tu l'as invalidé, puisqu'il est devenu invalide. Invalidé. Donc, la shrita n'est pas une bonne shrita. Si tu avais dû ramener chez toi à la maison, tu n'as pas transgressé l'interdit de faire la shrita de ce korban avec du hametz. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha. Kol tov, selah.